Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Les loyalistes et le veille océanien calédonien semblent satisfaits de la rencontre avec Gérald Darmanin et Jean-François Carenco hier à Paris. Ces rencontres sont contestées par l'Union calédonienne lors d'une manifestation ce matin, alors que la convention des partenaires débute dans quelques heures. Les détails dans ce journal. L'Alliance scolaire de l'Église évangélique veut apporter une nouvelle vision de l'école, thème abordé lors de la première journée des Assises de l'ASE aujourd'hui à Nouméa. On en parle ce soir avec Luther Woodjock, directeur de l'ASE. Et enfin, visiter le parc zoologique de Nouvelle-Calédonie de nuit, c'est possible. Un parcours nocturne artistique organisé ce samedi. Le public pourra observer les animaux du parc en soirée en écoutant de la musique. Vous le verrez à la fin de cette édition. Avant de développer ces titres, on souhaite alerter l'opinion publique. C'est le message de la mobilisation menée par une vingtaine de gardiens aux portes du camp S aujourd'hui. Conditions de détention, conditions de travail déplorables, les agents pénitentiaires pointent plusieurs dysfonctionnements au centre pénitentiaire. On écoute Steven Carnitelli, secrétaire général du SWINC. De travail, de toute façon c'est intimement lié hein, puisque bah, nous on travaille entre guillemets avec de l'humain hein. Donc dès que les conditions de détention sont celles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire déplorables, forcément ça crée des tensions entre la population pénale mais aussi du coup avec le personnel de surveillance. Des personnels qui viennent ici la boule au ventre parce qu'ils sont que deux, enfin quand ils sont que deux, voire tout seuls, quand ils ont une cellule avec quatre personnes détenues à l'intérieur, ils sont sollicités, ils sont souvent insultés, etc. Donc on vient aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme parce que ces dernières semaines on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus d'agressions de personnel, de bagarres entre personnes détenues, enfin beaucoup plus de tensions qu'habituellement à cette période de l'année. Depuis le début septembre, on a eu une douzaine d'agressions, on a eu plus d'une quinzaine de refus de réintégrer, donc oui, la tension elle est palpable. Voilà des propos recueillis par Audrey Poedi. Si la convention des partenaires commencera dans quelques heures, les bilatérales avec les non-indépendantistes et l'État se sont achevés cette nuit pour nous. À l'issue de cette rencontre, les loyalistes se sont exprimés au micro de notre envoyé spécial Aurélie Chiron à Paris. C'est ici, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, qu'ont eu lieu les bilatérales ce matin entre les non-indépendantistes Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer. On a pu apercevoir le rassemblement, le MPC, Calédonie Ensemble et les Républicains étaient également présents. Philippe Dunoyer et Nicolas Mesdorf, pardon, les députés. Pendant ces discussions, les formations politiques ont parlé d'une même voix, comme annoncé dans leur déclaration commune. Alors déjà, on a pu rappeler, nous, les loyalistes et l'avenir en confiance, ce qui fait nos fondamentaux, les conclusions qu'on tire de la période référendaire, ce qu'on attend de l'État et ce qui pour nous est, je dirais, le socle d'un projet d'une nouvelle Calédonie au sein de la République française qui prend en compte finalement l'expression des Calédoniens. Ça, c'est la première chose. Mais on n'a pas parlé que de l'aspect institutionnel, on a parlé également du quotidien des Calédoniens et ça, c'est important. Et on a été, moi, en tout cas, j'ai été surpris de la connaissance du dossier calédonien de la part du ministre de l'Intérieur. Et donc c'est quelque chose de positif. On remet en marche les processus de discussion et de sortie de l'accord de Nouméa avec un État qui s'implique. Et donc c'est forcément positif pour nous. Pour ma part, je suis intervenue sur la possibilité de discuter d'un volet économique, social et environnemental qui pourrait être joint à un accord institutionnel. Parce qu'effectivement, les Calédoniens ont des préoccupations auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Donc travailler sur l'institutionnel, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Il faut également qu'on puisse travailler sur des projets, sur des politiques qui permettent de répondre aux défis des Calédoniens. Il s'agit des problèmes de nickel, des problèmes d'énergie, également des problèmes environnementaux, mais aussi de la vie chère. Les formations politiques ont remis leur déclaration commune en main propre à Jean-François Carenco et Gérald Darmanin. On a tous conscience que ces discussions ne pourront se tenir de manière efficace et constructive qu'avec tout le monde, avec tous les partenaires, y compris indépendantistes. Le ministre nous a annoncé un déplacement en fin du mois de novembre en Nouvelle-Calédonie. Et j'espère que ce déplacement permettra de faire en sorte que tous les partenaires soient autour de la table le jour venu.
Sur place également à Paris, l'éveil océanien ne participera pas à la convention des partenaires, mais le parti a rencontré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en bilatéral. On écoute Veima Falaheo pour l'éveil océanien. Déjà, nous n'avons pas été conviés à cette convention des partenaires, l'éveil océanien, ça il faut le remarquer. Nous sommes ici vraiment aujourd'hui en bilatéral pour échanger avec M. Karenko, que nous remercions et saluons aussi le travail qu'il a fait lorsqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie pour établir les fils du dialogue. Mais aujourd'hui, on le voit bien, demain, la convention des partenaires ne va pas réunir tout le monde, ou va réunir tout le monde, mais qu'il manque des partenaires essentiels, les indépendantistes. Donc nous, ce que nous espérons pour la visite de la fin du mois, c'est qu'on puisse trouver un consensus, une issue, parce que les Calédoniens en ont besoin. Il y a des urgences à traiter dans vos pays, on le sait, et il est important qu'on ait une visibilité pour la sortie de l'accord de Nouméa. De son côté, Calédonie Ensemble est tout aussi satisfait de ces bilatérales et regrette que les indépendantistes ne soient pas présents. On écoute Philippe Gomez. Donc tout ce qu'on espère, nous, c'est que les indépendantistes, le plus rapidement possible, reviendront sur la route pour qu'on construise ensemble. Ça fait 35 ans qu'on construit ensemble notre pays. Pas été un long fleuve tranquille, on ne s'est pas toujours embrassé sur la bouche, mais voilà, on a cette responsabilité-là pour tous les Calédoniens, pour les jeunes générations, pour la paix, pour le développement dans notre pays. Et voilà. Moi, je sors de cette réunion avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, très très confiants. Ils ont développé un discours construit, ouvert, tolérant, volontariste, et puis il vient en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de novembre, ils l'ont confirmé, bon voilà, donc on va recommencer à tresser la natte du dialogue. Calédonie Ensemble qui participera à la convention des partenaires au même titre que Jacques Lallier en tant que président de la province des îles, il explique sa présence à Paris. Mais en tout cas, moi, j'ai prévu des rencontres au profit de la province à cette période-là, parce qu'on avait donné notre accord pour aller participer. Donc moi, j'ai calé mes rendez-vous par rapport à ça, et à partir du moment où j'ai donné ma parole, ben, je ne peux pas changer parce que je ne suis pas responsable des partis. Donc je ne suis pas tenu par les décisions de parti. Par contre, je suis tenu par les décisions pour la vie des gens et je suis tenu pour le fonctionnement de la province. Donc je suis venu quand même. Et demain, c'est la rencontre des partenaires. Ce n'est plus les partenaires politiques, c'est des partenaires tout court. Et donc, parce qu'il y a les... C'est plus le même. Si c'était que des rencontres de partenaires politiques, je ne serais pas allé. Mais là, je vais aller parce qu'il y a les autres partenaires. Il y a le CESE qui va être aussi là. Mais en tout cas, demain, je dirais qu'il n'y a pas de solution sans la souveraineté. Les rencontres réalisées hier ont été contestées par l'Union calédonienne qui manifestait ce matin à Nouméa devant le Haut Commissariat, protestant que les bilatérales doivent avoir lieu en Nouvelle-Calédonie. Le point avec Audrey Poidi. Alors ce matin, on est ici comme les autres fois, comme il y a 100 fois on est venu ici, comme il y a 100 fois d'autres personnes sont venues ici pour toujours redire les mêmes choses, mais on revendique aussi notre place dans ce pays, parce que c'est notre pays. Rien ne se fera sans le peuple kanak ici. Vous pourriez dire tout ce que vous voulez, mais nous, on n'a pas d'autre patrie que celle-là. Et nous serons ici pour le dire et le redire à chaque fois. C'est à 8h ce matin devant les grilles du Haut-Saria que les militants de l'Union calédonienne se sont retrouvés. Le mot d'ordre de cette mobilisation, ne pas rester dans le silence pour que l'on soit pris en compte. Pour la trentaine de militants mobilisés, les discussions sur l'avenir du pays doivent se tenir ici et non à Paris. Le fait d'être présent ce matin, c'est aussi un appel à chaque partie prenante par rapport à leur responsabilité de signataire de l'accord de Nouméa, qui est un processus de décolonisation. Nous, on est un partenaire, on est signataire de l'accord de Nouméa, donc à partir de là, on va aussi défendre notre signature pour faire en sorte que cet accord de décolonisation soit respecté. Cette mobilisation intervient après la diffusion d'un communiqué du PALIKA dans lequel le parti s'interroge sur la portée politique des résolutions qui pourraient être prises en l'absence de représentation indépendantiste à Paris.
Et pour refermer cette page politique, ce week-end aura lieu la création d'un nouveau parti politique Souveraineté Calédonienne. Ce nouveau parti, qui n'a pas vocation à entrer dans le FLNKS, sera officialisé demain à Bouraille, dans la commune donc Athénée. Ni loyaliste, ni véritablement indépendantiste, ce parti se positionne clairement pour l'accession à la pleine souveraineté. On écoute Ronald Frère, ex-militant de l'Union Calédonienne et membre fondateur de Souveraineté Calédonienne. On prône la souveraineté parce que la souveraineté, c'est le droit suprême de choisir. Et quand on choisit, eh bien, on choisit ce qui est mieux. Si c'est bien avec la France, eh bien, on ne rejette pas la France ou bien au contraire. Si c'est bien avec d'autres pays ou faire par nous-mêmes, nous choisirons ce qui est le mieux pour nous. Ça ne veut pas dire que nous nous coupons de qui que ce soit. Ça veut dire simplement que nous allons aller dans le seul sens des intérêts du pays et de ses habitants. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas dans un modèle de société qui nous convient. Donc c'est ça que nous voulons changer. Nous, notre ambition, c'est effectivement de participer aux prochaines élections. Notre ambition, c'est surtout d'aller chercher des jeunes et puis de les amener aux responsabilités du pays et donc de les former pour ça. Et c'est ce que nous ferons dans les semaines et les mois à venir. Voilà des propos recueillis par Mathurin Derel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur votre page politique ce soir. Dans un tout autre registre, le torchon brûle au Sénat coutumier. Dans un communiqué, le conseil coutumier de l'Akharatu demande la démission de l'actuel président du Sénat, Hugues Vemavé. Il fait suite à sa condamnation pour conduite en état d'ivresse et récidive et son refus de démissionner de lui-même. Face à ce comportement, je cite, irresponsable, se maintenir à ce poste malgré les circonstances aggravantes, c'est mettre en péril toute la crédibilité de nos institutions coutumières. Fin de citation. Et dans votre œil de la rédaction, l'ASE veut donner un nouveau souffle à l'école calédonienne et à son futur. La première journée des assises de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique à l'auditorium de la province sud du pays s'est achevée il y a une heure. Mais avant de retrouver notre invité ce soir, qu'est-ce que l'ASE? Un reportage de notre journaliste du sud, Duke Menango. Dès 1840, des missionnaires protestants de la London Missionary Society arrivent au pays. Pour leur campagne d'évangélisation, l'organisation s'appuie sur des missionnaires océaniens qui sont d'abord dépêchés sur les îles Loyauté. Parmi leurs missions, la formation et l'éducation d'autres hommes amenés à propager la parole et les enseignements chrétiens. C'est dans ce sens que les bases de l'école pastorale de Repene à Lifou sont posées dès 1860. L'école pastorale de Doneva, créée en 1903 à Wailou par le pasteur Lennart, devient vite un centre de formation des Kanaks et impulse à son niveau des prémices d'une volonté d'émancipation indigène. Aujourd'hui, sous l'appellation EPKNC, c'est en 1960 que l'Église évangélique de Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté se détache de sa tutelle parisienne. Et c'est en son sein que l'ASE se propose de s'occuper de l'éducation scolaire pour que l'Église, elle, se recentre sur le domaine spirituel de la foi. L'ASE a donc été créée en 1958 pour regrouper aujourd'hui 23 établissements, du primaire au lycée, et cela sur l'ensemble du pays. Et pour en parler ce soir, Luther Vujo, directeur de l'ASE, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur Vujo, d'abord, une question d'actualité. Alors, j'ai lu dans votre présentation, vous voulez apporter votre contribution aux questions institutionnelles sur l'avenir du pays. J'ai repris dans la présentation. Les rendez-vous à Paris divisent la classe politique, on l'a vu en début de journal. N'est-ce pas préoccupant pour la jeunesse du pays ? Ça peut l'être, néanmoins, j'ai confiance en nos élus. Et je sais que beaucoup regrettent donc l'absence des indépendantistes et dans les trilatérales, bientôt, je pense qu'ils vont retrouver donc un dialogue utile et constructif. Et ça n'empêchera pas les acteurs de la vie civile, au moins, de faire des propositions. Est-ce qu'on laisse assez de place pour la jeunesse dans ces discussions ? Je pense qu'on peut être porté à travailler pour l'intérêt de la jeunesse, quel que soit notre âge. Et donc je pense qu'on voit les Véocéaniens, on voit les Calédoniens ensemble, on voit que tous ces partis sont préoccupés aussi par la volonté de renouer le dialogue, à la fois pour donner un avenir au pays et puis une véritable visibilité. Alors pour revenir à l'ASE, est-ce que les problèmes de trésorerie de l'ASE font partie du passé ? Non, on ne peut pas le dire, nous sommes encore en redressement judiciaire.
Les problèmes de trésorerie donc, étaient liés particulièrement à une gestion comptable et puis comptable bancaire de trésorerie. Donc il faut le gérer à partir du moment où on a un budget. Et à partir du moment où on a un budget, on est certain de ses recettes. Et donc à ce niveau-là, c'est un peu ce qui a manqué à l'Union scolaire pour rentrer un peu plus vite dans le droit chemin. Et ensuite, il faut préciser que cette partie budgétaire, ce n'était pas une habitude au sein de l'Alliance scolaire ces dernières années. Et donc il faut renouer avec des réformes structurelles qui vont donner aux établissements un peu plus de stabilité budgétaire. À partir de là, on pourra maîtriser les dépenses, car de gros efforts ont été faits, consentis par le personnel. Près de 400 millions donc, ont été économisés sur la masse salariale. Nous avons donc près de 60% de baisse de la masse salariale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de dire que nous pourrons donc se saisir de notre destin à partir du moment où on va avoir les bonnes habitudes comptables et budgétaires. Alors, ces assises se déroulent en trois phases. La première, donc, c'est sur le thème de l'école, une vision pays. Quel est le premier bilan de cette journée? Cette journée a permis de dégrossir les points de fixation autour donc, des questionnements que nous avions autour du taux de réussite de nos enfants. Et en particulier, donc, faire en sorte que nous puissions enrichir quelque part le PONC, le plan du projet éducatif donc de la Nouvelle-Calédonie, car il n'est pas exhaustif, il en avait capacité, on le voit que la pépile au niveau donc, des loyautés, on fait des propositions en ce sens dans le cadre du PONC, et donc nous, dans notre redressement judiciaire, on a vocation à donner du sens à l'alliance scolaire, et en questionnant nos partenaires de la vie éducative. Et dans leur rapport avec nous, dans leurs échanges avec nous, nous arrivons à mieux nous situer et ensuite proposer aux élus notre patrimoine immatériel et ensuite notre expertise à ce niveau-là. Et c'est important que nous puissions le faire dès aujourd'hui, car l'année prochaine, donc, le focus va être fait sur les établissements de l'alliance scolaire. Et en termes d'effectifs, c'est important que nous puissions exister avec notre expertise et notre capacité à échanger avec notre partenaire. Et donc, si aujourd'hui, au niveau de la communication, il y a pu avoir des couacs, nous ferons mieux pour les prochaines fois, c'est-à-dire le 24-25 novembre prochain. Alors, lors de ces assises de l'enseignement, le juriste Louis Boya parlait de la marginalité positive au sein du système éducatif. Il interpellait sur l'école qui pourrait s'adapter aux principes autochtones. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, il y avait une intervention à la fois de Diwadrawan et de Louis Boya qui font partie du comité de pilotage d'experts au niveau de ces assises, donc, qui a été piloté par Kitchi Atene, le responsable donc, du bureau pédagogique de l'Alliance scolaire. Ce qu'il voulait dire, c'est que désormais, c'est cette marge qui a été donc un peu occupée par les populations kanak, car n'oublions pas qu'au moment où est né l'Azé, les populations kanak étaient indigènes, n'étaient pas français. Et donc, c'est une école qui a toujours été orientée à promouvoir donc, cette population à la marge. Aujourd'hui, donc, dans le bilan qu'on peut en faire, par relevé patronymique au niveau des résultats du bac, on voit qu'il y a une forme de stabilisation autour des mêmes chiffres. Et donc, on s'interroge pour se dire si on n'a pas peut-être à orienter différemment notre pédagogie pour essayer de l'enrichir et ensuite contribuer véritablement à la réussite de nos élèves. On le voit dans les quartiers populaires ou dans certains collèges donc de quartiers difficiles où le taux de réussite donc est assez limité. Et nous disons qu'avec ce genre de profil, avec que nous avions toujours eu l'habitude d'éduquer, nous pourrons donc aussi partager notre expertise pour faire avancer des éléments sur ce sujet-là. Alors, vous voulez apporter donc dans ces assises, le thème d'aujourd'hui, c'est l'école, une vision en pays. Est-ce que le projet éducatif initié par le gouvernement Germain en 2016 ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné? Je ne pense pas qu'il ne fonctionne pas. Nous plaçons clairement sous le PONC le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, comme tout projet éducatif, il a vocation à s'enrichir quelque part des pratiques pédagogiques donc adaptées à chaque établissement et à chaque type de public. Et donc voilà pourquoi nous faisons ces assises, pour le préciser et l'enrichir, comme la PIL l'a fait lors de son projet éducatif donc des îles Loyautés, le PEPIL, et qu'ils sont en train d'appliquer. Donc nous, aux îles Loyautés, nous sommes bien représentés, la PEPIL nous ressemble beaucoup en termes de pédagogie. Cependant, dans le sud et dans le nord, nous avons vocation peut-être aussi à l'enrichir ainsi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet enrichissement de l'impact, c'est la pédagogie et la réussite de l'élève en tout qui est mise en avant, en particulier de l'élève océanien. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Luther Udjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous ce soir. De votre invitation.
Voilà, et la deuxième journée se déroulera à la fin de ce mois de novembre et aussi la dernière l'an prochain au mois d'avril. Bien sûr, je parle des assises de l'Asie. Après l'inauguration de l'aéroport de Wanaha, mais le premier vol international, vient maintenant le temps des négociations pour rendre cette ligne régulière. Loin des effets d'annonce, des accords économiques doivent encore être prêts pour ouvrir une ligne Lifou-Vanuatu. Y aurait-il suffisamment de touristes pour rentabiliser les vols réguliers toute l'année? Les précisions d'Océane Dacunia. Voici le décollage du premier vol Lifou-Vanuatu, un vol test opéré hier par Air Calédonie. L'objectif de la province des îles, 3 vols par semaine à partir de 2023. Mais pour cela, des accords commerciaux doivent encore être conclus entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. That is, will be on the table for discussion. It needs a feasibility study to see the profitability. It will be very interesting. Very interesting. It will promote people from Vanuatu and New Caledonia to travel anywhere. Un tourisme qui devra être suffisant pour rentabiliser des vols hebdomadaires. On commence par les relations familiales, mais ça peut engendrer les relations touristiques, les relations commerciales. Parce que ce qu'on a vu au Vanuatu, quand même, en matière d'agriculture, ben, il faudra qu'on y aille. Nous, il faudra qu'on y aille. On est gagnant. Hein. La province des îles espère à terme séduire des touristes venus de tout le Pacifique. Australie, Nouvelle-Zélande ou encore Polynésie française, c'est tout un secteur qui doit monter en gamme, selon le gouvernement. Et cela commence par l'aéroport. Quand on parle de développement touristique, on parle de développement de vols internationaux, on parle de normes internationales. Donc les gens ne viendront pas s'ils ne sont pas sûrs de la manière dont le transport aérien est traité. Il faudra y mettre les moyens. Et surtout ici à Lifou, par exemple, on sera amené à installer des filtres passagers, des filtrations bagages, comme partout dans toutes les installations de niveau international. Taxi, activité, hôtel, plusieurs projets doivent encore émerger, à l'image du Wadrabé, un hôtel de luxe qui est toujours en travaux. Et pour refermer cette édition, sous l'impulsion du musicien Jérôme Villette, le parc zoologique et forestier propose demain soir un parcours nocturne. 4 concerts et des danses seront organisés par le Conservatoire de musique de la Nouvelle-Calédonie. Les visiteurs pourront donc déambuler entre les différents lieux de concerts et de danses en étant eux aussi, donc, et en pourront observer les animaux du parc. Un reportage de Diouk Menango. Pour cette première, les sites de concert et de déambulation ont scrupuleusement été sélectionnés pour ne pas déranger les animaux les plus sensibles du parc et ainsi permettre aux visiteurs d'apprécier l'ambiance. C'est quelque chose que les visiteurs n'ont pas l'habitude d'apprécier, d'être là la nuit dans le parc avec cette ambiance particulière, avec ces bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, avec cette lumière qui n'est pas habituelle non plus. Ça va dépendre des déplacements. Là, entre le premier et le deuxième concert, il y a un peu de marche. C'est le plus long déplacement. On va avoir une vingtaine de minutes de marche en comptant le déplacement d'un groupe plus les danseuses autour. Et entre le deuxième et le troisième concert, là, ça va être assez court. Il y a peut-être 60 mètres à faire, donc ça va prendre quelques minutes. Et après, entre le troisième et le dernier concert, il faut remonter en haut. Donc là, effectivement, on aura un petit peu de marche à faire. Un petit défi pour certains visiteurs, mais un gros challenge pour les jeunes danseuses du conservatoire. De danser avec un public de rue en fait, hein. Donc on est plutôt sur type spectacle et fauteuil comme ça, donc là c'est de rue au milieu de la forêt, ça c'est une vraie chance, au milieu des animaux, donc ça va être une expérience particulière mais une chouette expérience.
expérience. La nuit, bah, il va y avoir un côté magique, un côté mystique en plus hein, de ça. Donc on va avoir vraiment un super cadre. Ben, les animaux, je ne sais pas vraiment comment ils vont réagir, mais voilà, ils vont participer eux aussi. Pour cette première édition, le parc forestier et animalier de la province sud affiche complet. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. À suivre votre émission culturelle Yes Weekend présentée par Océane Zobler. Je vous souhaite un excellent week-end et vous retrouverez Antoine Reyes à partir de mercredi. Belle soirée.